Bonjour les amis. Bon ben voilà, je reviens faire un petit peu de jardin de temps à autre quand même parce que là j'ai l'herbe qui est revenue à 50 cm, il n'y avait pratiquement rien de planté et bon voilà, je peux pas tout abandonner simplement parce que j'ai pas le courage, que je suis triste et voilà. Donc je me suis remis au jardin. Alors je vais vous faire voir un petit peu ce que je viens de faire par exemple aujourd'hui et où j'en suis. Allez, on y va. Bon, alors voilà. Alors ça, bon, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Je viens juste de repiquer 4 petits pieds de salade et je les ai mis sous cloche. Alors je prends des grosses bouteilles que je coupe en deux et bah, ma foi, ça fait l'affaire. Ça fait bien l'affaire même. Voilà, ça fait une cloche. Bon, avec. Alors là, j'en ai mis 4, avec moi, ça fait 5. Voilà, les pommes de terre, ça avance, hein. Ça avance pas mal. Va falloir même que je me dépêche de les buter. Bon, ici, j'ai commencé à pailler, mais là, hein, quand on est vraiment en retard. Là, je viens de venir planter des courgettes. 2 pieds de courgettes. Bon là, les pieds de courgettes, il faut laisser au moins 1 mètre. Hein. Bon là, il y a 1 mètre, mais c'est juste quand même. Mais bon, voilà. Ça, c'est encore des artichauts. Pareil, je viens de les repiquer, donc c'est sous cloche. Et un chou, un seul qui est rescapé hein, des gelées de cet hiver. Alors tout ça, c'est sous cloche. Hein. Voilà, là, 4 pieds d'artichauts. Parce que hein, c'est quand même bien bon. Celui-ci, bon, il n'y a pas de souci. Hein, il est beau et je pense pas qu'on aura des soucis avec. 2 pieds d'aubergine. Sont chouettes. Mais après, hein, faut voir ce que vont nous laisser les bestioles. Là, 8 pieds de tomates pour commencer parce que j'en ai, mais ils sont tellement petits, il faut bien savoir qu'ils gelaient encore et qu'il n'y a pas très longtemps. Et donc, mes pieds de tomates, s'ils font pour le moment 10 cm, les autres, c'est bien tout. Ceci, tout simplement, je les ai achetés en jardinerie. Eh oui! Hein, alors que je fais d'habitude tous mes semis, mais là, bon, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Ça, c'est les dernières petites pommes de terre que j'ai plantées. Mes échalotes sont pas vilaines. Va falloir désherber, bien sûr, parce que là, ça commence à s'envahir, tout ce monde-là, mais bon. Et toujours mes os. Regardez un petit peu la taille, ça commence à faire de belles gamines. Hein. Et mes petits oignons rouges. En principe, tout a réussi là. Hein. J'ai pas eu de gros soucis. Bon, maintenant, il va falloir que je m'attelle à couper l'herbe. Mais là, pour aujourd'hui, je crois que je vais rendre les armes. Je suis fatigué. Donc. C'est pas non plus la peine de refaire un troisième infarctus, surtout tout seul sur le terrain. C'est pas la peine. Voilà. Vous voyez, ça c'était une parcelle, il va falloir que je la récupère. Ça, c'en était une autre. J'ai commencé à la récupérer, mais j'ai repaillé aussitôt dessus parce que pas que la terre avec que le soleil prenne une claque. Mais vous voyez, elle était devenue comme ça. Hein? Alors, encore un tout petit peu. Puis ça aurait été comme l'autre là-haut. Voilà. Bon ben voilà. On est tout au moins moi, je suis à la fin de la journée. Pour moi, c'est bon, c'est terminé. Je vais remballer mon matériel. Et puis je vais rentrer tranquille. Et je reviendrai très certainement demain pour en refaire encore un petit bout. Voilà, bon, en gros, je travaille 3 heures
par après-midi, de façon à entretenir au maximum et puis à avancer un petit peu, quoi, quand même, hein? Voilà. C'est comme ça. La vie, elle n'est pas toujours celle qu'on voudrait avoir. Allez, les amis, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo du jardin. Et puis, j'espère que maintenant que le soleil est enfin arrivé, on va le conserver. Et que, bah, éventuellement, pour le jardin, un petit peu d'eau, une fois de temps à autre, on en veut bien quand même. Mais une fois de temps à autre, pas tous les jours pendant un mois, comme on vient d'avoir. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si ces vidéos vous intéressent et vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutiendra vis-à-vis de YouTube. Bien sûr, plus on a d'abonnés, plus ils nous mettent en avant. Laissez un petit like et surtout laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt!